La différence entre Falipupa éphéré et pur est simple. Falipupa a une communication agressive. Falipupa a un marketing agressif. Falipupa dans une promotion agressive. Vous allez le constater dans les médias étrangers. Même si Fali n'a pas d'album, il est toujours dans les médias. Il est toujours dans les actualités et dans les activités. Pendant que Ferregola, dans une communication passive, pas même active, c'est passif, dégressif, un marketing passif, dégressif, promotion, dégressif, passif. Pour cela, depuis que Ferre a fait le Dynastie volume 1, 2 et le deuxième volume qui est venu, donc trois albums, Ferre n'est même pas capable de passer dans une émission internationale juste pour faire sa propre promotion. Il a su jeter tout, la promotion, la communication et le marketing aux mains des TikTokers qui ne marchent pas aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez voir toujours Fally au-devant de toutes choses. Quand il s'agit de managers, Falipupa a un manager qui est capable de lui proposer 3 U Arena à l'espace de 2 mois. Pendant que nous avons les jeunes comme Inos B, avec un manager qui est au Congo, capable de lui donner, de lui offrir des promotions à Hollywood, la salle Madeleine le 1er décembre ici 2023, partout, Inos B est toujours en action grâce à un producteur, à un manager. Mais chez Ferregola, on ne connaît pas qui est le manager, qui fait la communication, qui fait la promotion et qui fait le marketing. Tout est mélangé. C'est la différence pure et simple. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire du mal. Bonjour, exemple à Nana Buduga. Auto finga à chaque jour. Nana Buduga. Nana Buduga qui ne fait même pas la communication de Ferregola, mais le marketing qu'elle est en train d'ajouter dans la carrière de Fally Pupa. Regardez, c'est elle qui s'occupe de personnel de Fally Pupa en Europe. Elle fait les interviews. Elle passe sur les chaînes de télévision pour parler de YouTube partout pour parler de Fally Pupa. Pendant que les communicateurs de Ferregola, qui sont dans les oubliettes, les gens qui font la communication, il ne faut que les mêmes choses, les mêmes répétitions chaque jour. Il n'y a aucun musicien de Ferregola qui est vraiment assis pour parler de dynastie. Aucune communication de personnel de Ferregola qui s'acharne de la promotion, de la production, de communication de Ferregola. C'est foutu. Il n'y a rien de spécial. Nous, les petits youtubeurs, nous prenons le temps, en tant que Congolais, en tant que amoureux de la bonne musique, pour essayer, je dis bien, de promouvoir la musique de Ferregola. Mais à un moment donné, on est fatigué. Moi, personnellement, je me fatigue, puisque la personne qui est chargée de communication, on ne la voit pas. La personne qui est chargée de communication et marketing et promotion, ce sont des personnes qui sont inexistantes. Pendant que l'album est jeté à la merci des TikTokers, vous allez voir un jeune leader comme Inos B, le tigre avec ses griffes, en arrivant en Europe, juste avant son album, il passe déjà dans des boîtes pour parler de son nouveau opus, son nouvel album. Il parle de ses événements, de tout son programme avec de nouvelles dates qui viendront très prochainement. Il prépare les gens, les mélomanes de la bonne musique à ce qui sera là bientôt comme bah, événement naïe. Mais pour l'affaire Ferregola, lui-même ne parle pas. Il y a personne qui parle. Et puis comment vous expectez que l'album Wana Kendeli Bosso? C'est la même chose. Et lorsque ça dit que l'album y a Ferregola est tombé à flop, Dynastie volume 1, il y a personne qui peut dire que l'album Wana Eza Koyokana, Bokene na Spotify, Boomplay, Naba YouTube, botal album ya Libosoana, fouti. Manque de communication,
Communication, il y a l'élo et comment communication agressive. Tu dois être agressif dans la communication. Mais ce qui ne se fait pas chez, dans le côté de Ferrego, vous allez voir Fali Poupa, il est agressif, c'est de neta pour, à cause de, babagonani, babacombattant, bazako, ya, bazako, intimidé, lui aussi, il passe à l'obi et conseille et causala. C'est ça la communication. C'est ça la promotion. C'est ça le marketing. Azako, ya, contre, poids, azako, tia, contre, poids. Pour n'a qu'on paye sa batounaye, force, ya, causala, toujours là, pour n'a événement, naye. Ce qui ne se fait pas chez les Gaulois. Chez les Gaulois, c'est le gouvernement Gaulois qui vient insulter Ferré et Fali. C'est le gouvernement Gaulois qui passe tout là de la voix, mais ne parle pas de vente. C'est Mobola Tétine qui va dire va, comme la jalousie est tellement au-dessus de la volonté, de la réalité. Bah, comme le Koloba Koboumakoutou Fali. Moi, je me pose la question. Est-ce que Fali Moutouazako tika musique qui a fait équitable? Ou bien c'est son savoir-faire au niveau de la communication. Et puis Fali, il a su utiliser le canal de parler mal à lui pour faire la publicité. Moutounyo soit à Kolobe la Fali, à Zakosala la Fali publicité. Mais bah, tu as Fali, bah, Kolobe l'a jamais fait. C'est pour cela que Bota la Sika l'aura tendance quand il s'agit de communication. Comme la Pessibino déjà, Nana Bouduga, face à Zakosala, à Zakotia à jour. Na makambu ya Fali Poupa, Laura Tandas ye a ye koluka visibilité. Pas que ça la communication, mais il est là pour la visibilité. Si elle était là vraiment pour la communication, elle pourra faire mieux que Nana Bouduga. Mais quand on voit, si on voit la moyenne façon de faire les choses, Nana Bouduga azako bima plus professionnel que Mutunabino. Laura Tandas. Et je m'emballe les culs, comme les Français le disent, je m'en moque, je m'en fous, puisque Nasuka, la personne gagnante, c'est Fali Ipupa. Ce qui a bêti trois arènes, wana, c'est impossible de faire goal à bêta yango. Impossible dans la vie, puisque Balobaka, impossible et on ne dit pas impossible avant que Moutoua Koufa, mais na nenge tozo mone la makambu. Impossible parce que faire azana devoir il faut abeta pe Olympia. Il faut abeta nano accord arena ya Fali abeta na 2020 pour parce que pendant la comparaison il faut pe abeta sika rotana na Congo abeta rotana abeta pe sika nini oyu abeta sika ba 3 yu arena pona ko égaliser équilibre wana ya compétition. Il y a concurrence entre bango. Mais jusque-là, nazo monate ce qui fait le goal à la capacité, on a puisque communication naye, c'est une communication qui n'existe pas avec une promotion quasi inexistante. Nga mutu na bino gilma nazo lo baba vérité. Oyo azako finganga chaque jour parce que nazako nangin nazako pesa ba vérité a boye. Nana komi mal vu côté ba gaulois, je m'en manque, je m'en fous. Parce que je suis en train de relater ma vérité, vous avez de les capacités. Il y a qu'à tenir devant faire Fali Poupa. Il faut dire la vérité. Vous avez les capacités à tenir devant Nani, à Ericho Atanabe. On ne peut pas se cacher. Ce total, totali analyse, il y a solo. Totali Makambu, il y a Ericho Atanabe, totali Ferigola. Ils ont presque nuit et jour. Avec trois albums ya Ferré Gola na marché et za botali pe album ya Héritier ebima plus de 3 ans soki Héritier bimisi album nombre ya stream ya Héritier et koleka Ferré Gola parce que Héritier baza presque ndenge moko Ferré za na soki na 121 Héritier za soki na 119 soki Héritier bimisi kaka album qui l'éloigne, bah, écoute, y'a Ericho Atanabe, vous allez plus, na Spotify, collègue, écoute, y'a fait rigola, parce que, vous autres, la balance, n'est-ce pas, comme vous avez tambo, là. N'a, n'a l'obaka vérité. Oya, yebi, a yebi, oya, ko boya, et allié. Mais, n'a meni, choyo, fait rigola, aza, okene, na redressement, aza, okita. Même, na, amakambo, aza, en États-Unis. Bah, tu vas, ko l'obela, et, comme, aka, cercle, bah, goulande, bah, l'obaka. Y'a même pas, abnani ba melomane o bazalaka netre wana ba melomane bazalaka pemene wa koloba
mutazo lo belangote. Il faut demander na zwa courage à loba Eric et faire école azako beta na Texas à sale ko zala boy école kabo. Mais ngana za na pona makambo na te puisque trop c'est trop. J'ai fait mon mieux, j'ai fait mon travail. Maintenant, je dois passer à d'autres choses. Il y a Héritier qui a l'album. Inosubi le Tigre qui est là. Il y en a beaucoup. Et Fally Poupa aussi, il y en a trois URN. On doit parler de ça. On ne doit pas, se contacter d'une personne. On dirait Bazouanga et pas à faire rigoler pour la salle et la kika va bilokwana. Pendant que je le fais volontiers, ceux qui n'ont pas salé l'ango héritier, ils ont volontaire aussi. Ceux qui n'ont pas salé l'ango inosbi, c'est volontiers. Comme n'a qui qu'on salé l'ango pe, fallait pour passer volontiers, ils ont volontiers n'anga. N'a mouton abino Gilmas toujours, bon zala, dans les vrais, bon tika ba aventure à ko misa l'on dirait ceux qui n'engenini. Bon zala, dans les vrais, bon kotomba ka jamais na kacha ba basse soana. On est dans les bons. Et on se revoit très prochainement. Gilmas Mutunabino Nakacha Canada, le grand Mikiliste. Bye.